Lire et faire lire est une organisation de bénévoles, mais c'est également un programme dont l'objectif premier est de donner le goût et le plaisir de la lecture aux enfants. Mais il y a également un deuxième objectif qui est de créer des liens intergénérationnels entre ces mêmes enfants et la génération de leurs grands-parents. Ça fonctionne de façon assez simple. Les bénévoles, donc les aînés, âgés de plus de 50 ans, viennent dans les écoles et lisent des histoires aux enfants pendant à peu près 10 semaines, à raison d'une fois par semaine pour un peu moins d'une demi-heure. Ces enfants-là sont sélectionnés par l'enseignante ou l'enseignant et ces lectures se font toujours en dehors des heures de classe. Voyons maintenant un petit peu comment ça marche exactement. Bonjour, je m'appelle Mélanie Daigle, agente de développement ici à l'École Champlain à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis ici aujourd'hui parce que je vais expliquer à l'enseignant le déroulement du programme Lire et faire lire Acadie, afin de nous assurer qu'avant la session, l'enseignant ait choisi les élèves qui vont participer. C'est moi qui fais la lecture ce matin. C'est toi? Oui, c'est mon tour. Tous les deux. Bonjour. On est bénévole de Lire et faire lire. Bonjour, bienvenue à notre école. Vous pouvez vous rendre à la bibliothèque et je vais avertir Mme Mélanie. Vous êtes arrivée. Bibliothèque ici. Oui, je suis en face. Merci. De rien. Allô? Allô, bonjour. Je suis une bénévole de Lire et faire lire. Mon nom, c'est Alexandra. Je peux vous montrer les livres qui sont dans la boîte. En plus de ces livres-là, on a d'autres choix dans la bibliothèque. Bon, mais pour le moment, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, mm-hmm. Et ensuite on verra. Okay. Merci. Merci. Combien de livres tu veux? Trois. Rue Chester, c'est les enfants comme ça. Bonjour, ça va bien? Bienvenue à l'école. Moi, c'est Mme Mélanie. Si jamais vous avez des questions par rapport au livre ou quoi que ce soit, Mme Vanessa arrive tout de suite. Ça sonne un bénévole pour lire et faire lire. Bonjour, Mme Vanessa. Moi, c'est Paul. Bonjour, Paul. Moi, je suis Mme Odette. Bonjour, Mme Odette. Alors, vous avez choisi des élèves à qui on va lire? Oui, donnez-moi un instant puis je vais rassembler les élèves. Merci beaucoup. Alors, on va lire le livre d'une chambre, rien que pour moi. Alors, ce soir-là, Lulu, ça va être Lulu, dit à sa maman, « Je voudrais bien avoir une chambre, rien que pour moi. » « Mais pourquoi? » demande maman. Bon, parce nous espérons que ce vidéo vous donne un petit aperçu de ce que c'est lire et faire lire. Aux personnes âgées de plus de 50 ans, nous faisons un appel parce que nous avons toujours besoin de bénévoles pour augmenter notre présence, lire et faire lire Acadie dans toute l'Acadie, en commençant par le Nouveau-Brunswick. Ce lit est juste bien pour moi. Mais tout de suite, elle entend un bruit étrange. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est un hibou. On la voit bien installée dans son lit. Puis il y a un hibou dans la fenêtre ici. Une chouette, une jolie chouette qui ulule toute la nuit. Ça veut dire quoi, ululer? Ulule. C'est ça, c'est faire le bruit de la chouette ou du hibou. Alors les vrais fantômes, ça n'existe pas. C'est juste dans les histoires. Ça existe, les fantômes. Non, ça n'existe pas. Ah, ça existe, ça les fantômes? Existe pas. Hein? Non. Non, c'est juste des costumes. C'est juste... C'est pas un vrai fantôme. C'est juste Émilie avec son couvercle. Ah, moi, j'ai toujours pensé que ça existait, des non, fantômes. Non, non, non. Mamie, Odette, tu te trompes. Les vrais fantômes, c'est que dans les histoires. Dans les histoires, on peut faire... Et des costumes. Inventer des choses dans l'histoire. On peut inventer toutes sortes de choses dans l'histoire. Dans la vraie vie, on est ici, dans une bibliothèque, mais dans l'histoire, on peut aller n'importe où dans le monde. On peut se promener, on peut aller en bateau,
On peut être un avion. On peut être sur la Lune. On peut inventer des animaux. On peut, et tout à fait, on peut inventer toutes sortes de choses.